Amis sportifs, bonjour, heureux de vous retrouver pour le sport sur la télévision togolaise. Les épervier, moins de 20 ans s'apprêtent pour la compétition zonale UFOAB. Ce matin, le sélectionneur Vincent King Ametokolo a rendu publique la liste des joueurs retenus pour cette campagne. Quelles sont les chances du Togo dans cette compétition? De leur côté, les épervier dames sont situées sur leurs adversaires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Les analyses du groupe B où elles logent avec le Cameroun, la Zambie et la Tunisie. On en parle avant d'évoquer les playoffs du championnat D1. La quatrième journée en retard se dispute cet après-midi et puis on fera un tour en Europe où la Ligue des champions boucle ce soir cette demi-finale avec un fumant retour Real Madrid Man City. Voilà donc pour le sommaire. Je suis en compagnie de mon confrère Vicente Loussoulet. Merci donc de rester à notre compagnie. Bonjour Vicente. Bonjour Jean, et c'est un plaisir encore une fois de me retrouver avec vous ce soir. Pour parler sport. Évidemment. Et surtout du football. Hein. Évidemment, et c'est le football aujourd'hui qui accule beaucoup plus les jeunes et qui rend un peu plus intéressant le monde qu'on vit avec autant de problèmes. Donc il va... un petit temps pour sourire avec du sport et surtout avec le football. Hein. Évidemment, et c'est important pour les humains que nous sommes, non seulement aussi, mais c'est aussi important pour le business. Voilà. On va donc ouvrir avec un mot sur le football féminin, mais cette fois-ci à Accra, où l'ONG Centre d'études et d'action pour la promotion des initiatives communautaires, CAPI, qui a organisé un gala de football féminin des moins de 15 ans des établissements scolaires de la ville de Cara. C'est pour rendre hommage aux femmes leaders défenseurs de la cause. Nestor Mouzou. Le CG Tomde, le CG Teloude, le CG Dongoyo, le collège Chaminade, le CG Caraville, le lycée Cara Sud et le lycée Dongoyo. Cette équipe scolaire a participé à ce gala de football féminin de moins de 15 ans. Lors des demi-finales, le collège Chaminade s'est imposé face au CG Tomde sur la marque étriquée de 1 but contre 0 et le CG Teloude a pris le dessus sur le lycée Cara Sud après les tirs au but 3-2. Les joueuses du collège Chaminade ont croisé les crampons avec celle du CG Teloude pour la finale. La compétition est à mettre à l'actif du Centre d'études et d'action pour la promotion des initiatives communautaires. Le CAPIC, à travers ce gala de football féminin, entend ainsi honorer la mémoire des femmes de la COSA qui ne sont plus de ce monde, mais qui sont considérées comme femmes leaders. C'est un événement, un gala de football organisé par CAPIC, une ONG créée par Maman Awadé. Cette ONG a beaucoup travaillé dans l'émancipation et dans le leadership de la femme. Aujourd'hui, nous célébrons trois dames, Maman Awadé, Maman Kambia et Maman Kubonu, qui leur vie durant ont été des vaillantes. Donc aujourd'hui, ça a été une occasion pour nous de se rappeler de ces dames et de cultiver au niveau des jeunes filles cette idée de leadership et d'engagement socio-politique. Au temps réglementaire, cette finale entre le CG Teloude et le collège Chaminade a été stérile, 0-0. Pour déterminer l'équipe vainqueur, il a fallu passer par les tirs au but. C'est après deux séries que le collège Chaminade a tiré son épingle du jeu en marquant 3-2 au CG de Teloude. Des prix collectifs et individuels ont été attribués, des trophées également. Trophée Madame Kubonu à la troisième équipe, le CG Tomde. Trophée Madame Kambia à la deuxième équipe, le CG Teloude. Et le trophée Madame Awadé à l'équipe vainqueur du gala, le collège Chaminade. Oui, voilà, donc c'était Nestor Mouzou depuis Cara. Vicente, oui, le football à la base, cette fois-ci on était à Cara, mais c'est pour les jeunes filles. Évidemment, le football à la base déjà, c'est très important aujourd'hui parce que quand on voit aujourd'hui les grandes nations se développer sur tous les plans, c'est parce qu'il y a une politique de football à la base qui est installée, ouais. Et surtout aujourd'hui avec le football des jeunes filles. Il le faut dans presque tous les pays aujourd'hui et je pense que l'instance fêtière du football met les moyens pour que voilà, ce rêve soit une réalité dans tous les pays. Et je suis fier de voir surtout Mme Lexim Balouki, ancienne ministre, voilà, se pointer là-bas de sa présence, faire plaisir aux jeunes filles. Je pense que c'est aussi ça, l'évolution d'un pays. Il faut déjà que le football soit installé à la base et pour que, voilà, au sommet, on retrouve vraiment des joueuses
ou bien des joueurs qui ont véritablement voilà, fait un parcours exceptionnel. Oui, des joueuses, surtout pour étoffer l'équipe nationale des dames, les éperviers dont nous avons présenté la page pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations qui les attendra au Maroc au mois de juillet prochain, du 2 au 23 juillet, bien sûr. Donc, les éperviers d'Amon ont été situés sur leurs différents adversaires. Le Togo loge dans le groupe B aux côtés du Cameroun, de la Zambie et puis de la Tunisie. Mais c'est du lourd, on va dire. Évidemment, c'est du lourd, Jean. Je pense que nous sommes tombés parmi des loups. Je peux le dire ainsi parce que le Cameroun, aujourd'hui, c'est quand même l'une des meilleures nations de football féminin sur le continent. On n'oublie pas la Zambie qui aussi a inscrit son nom dans l'histoire du football africain féminin et la Tunisie qui, aujourd'hui, fait partie de ces équipes-là qui n'ont pas encore trop prouvé, mais qui vont quand même créer l'exploit pendant cette compétition-là. Et donc, je pense que le Togo est dans une poule où il doit beaucoup travailler, faire beaucoup attention à ses adversaires. Je pense que Tometi Kai et toutes les autres joueuses ont été déjà situées sur voilà, ces noms qui figurent dans les poules et sont conscientes vraiment du travail qui les attend. Voilà, il y a déjà eu un stage qui s'est organisé tout récemment. Oui, il y a eu un stage qui s'est tenu du 15 au 24 avril dernier, qui a été d'ailleurs tout simplement pourvu de matchs amicaux. Des matchs amicaux qui n'ont rien donné pratiquement. Oui, évidemment, des matchs amicaux qui n'ont rien donné. Mais je pense que c'est quand même des matchs amicaux qui ont permis à ces filles-là, on parle justement du match qui a été joué contre les garçons U20, du centre de football de Swallows et un autre centre TCSR d'Agi de Gomé. Oui. Donc voilà, c'est vrai que les scores ont été tout simplement lourds, 6-0. C'est des matchs perdus, 6-0 contre Swallows, 4-0 contre TCSR d'Agi de Gomé. Mais en même temps, c'est des matchs qui ont permis à ces filles d'apprendre. Oui. De corriger les failles. Et d'ailleurs, Mme Tometi Kai a dit que ces matchs lui ont permis, justement, et ont permis aux filles de se corriger tactiquement et techniquement. Donc, je pense qu'ils sont, ou bien elles sont sur la bonne voie pour préparer à bien cette compétition qui va se tenir très prochainement. Mais je pense qu'on a encore du boulot à faire. Il va falloir multiplier ces stages-là, il va falloir multiplier les séances de travail parce que nous sommes dans une poule où on ne doit du tout pas s'amuser. Voilà, une poule très très remontée avec le Cameroun, la Zambie et la Tunisie. Là, ça ne blague pas. Il faut du travail et du travail sérieux. Évidemment, il faut du travail sérieux. Je pense que les autorités compétentes sont conscientes du fait que nous sommes dans une poule où il va falloir travailler, il va falloir parler aux filles, il va falloir les entretenir, que ce soit psychologiquement, financièrement, émotionnellement et moralement, parce qu'on est en football et le football regroupe tout ça. Le football, ce n'est pas que ce petit ballon rond qu'on voit sur le terrain, mais ça se passe aussi psychologiquement, donc il va falloir faire beaucoup de travail à ce niveau-là et voilà, préparer à bien cette compétition, même si j'avoue qu'on part pour aller apprendre, puisque c'est notre première qualification historique d'ailleurs, donc il va falloir quand même aller apprendre, mais aussi titiller ces nations-là qui sont considérées comme des ogres de ce continent. On a vu par exemple la Gambie à la Coupe d'Afrique des Nations la dernière fois. Évidemment, on a vu la Gambie qui a quand même créé l'exploit. Donc le Togo peut s'inspirer de cet exploit de la Gambie, pourquoi pas. Voilà, Vincent, on va donc continuer par analyser. Hein, ce groupe B aussi est tombé très bientôt sur les autres groupes, mais on va faire un retour sur les matchs qualificatifs pour cette Coupe d'Afrique des Nations. La première rencontre, c'était celle donc, qui a été jouée à Lomé, après bien Sao Tomé. Le Togo a reçu le Gabon, et ici, les épreuves l'ont emporté chez 2-1. Sergi Raimondo. Le sort de cette rencontre scellé dans les ultimes secondes de jeu. 5 minutes de temps additionnel pour départager Togolaises et Gabonaises. Les deux équipes se tenaient jusque-là au coude à coude, un but partout. Puis, Odette Nintegma, contre toute attente, fonce sur la gardienne Chimène Kumba, envoie le cuir en pleine lucarne.
Nous avons eu des occasions. On aurait pu tuer le match par 5-6 buts parce que la défense gabonaise était prenable. Elle laissait des espaces, elle laissait des failles. Et mes attaquants n'ont pas su profiter de ces failles-là. Mais nous allons travailler là-dessus pour que le match retour, qu'on puisse marquer beaucoup plus de buts. Le présage tournait déjà en faveur des Éperviers d'Âmes dès l'entame du jeu avec un but inscrit à la 29e minute par Ngaki. En deuxième période, les visiteuses renversent la vapeur. Un but de Jessie Ornella Obiang à la 59e minute. Dans un sursaut d'orgueil, les Éperviers d'Âmes reviennent dans le jeu, multiplient les actions et obtiennent gain de cause. Score final, 2-1 au détriment des Panthères. Il y a eu une très belle prestation des deux équipes. Malheureusement, la défaite, il faut la consommer, mais tout ce qu'on peut dire... Il y a un match retour, donc ce n'était pas un match à négliger. Avec ce but-là à l'extérieur, ça peut être un atout favorable pour les Panthères à domicile. En ligne de mire, une toute première qualification du Togo à la CAN féminine Maroc 2022. Et cette victoire à domicile donne de l'espoir. Nous avons vu nos filles très déterminées avec tout l'encouragement du public sportif qui aujourd'hui constitue donc une union sacrée autour de ces Éperviers. Les filles ont assuré. C'est une très grande joie parce que nous renouons avec les victoires sur notre stade. Tout se jouera au match retour à Libreville. Ce sera mercredi prochain. À l'avantage des Éperviers d'Âmes à Libreville, la bande à Kaita Mitichi l'avait emporté sur le score identique. 2-1, synonyme de sa qualification pour la CAN 2022. Résumé avec Laurent Koumabo. Historique. Les Éperviers d'Âmes, pour une première fois, se qualifient pour la phase finale de la CAN de leur catégorie. Pourtant, tout n'a pas été simple. On joue depuis la 27e minute lorsque les Panthéresses obtiennent un pénalty. Face au danger, Amoukou Ahmed des Éperviers se déploie pour maintenir la barque Togo à flot. À la 30e minute, dans sa réplique, l'attaque des Éperviers d'Âmes trouve l'ouverture par l'entremise de Sama Kodoukalo. 1-0. Menacés d'élimination, dès lors, les Gabonaises appuient sur l'accélérateur et reviennent à 1-0 à la 58e minute par Jessie Mezui Obiang. L'égalité rétablie, la coach Kai Tometi du Togo opère quelques changements. Yaya Tekiatou, entré en jeu quelques instants plus tôt, brise définitivement le rêve des Panthéresses en inscrivant le deuxième but des Éperviers. 2-1, verdict identique à celui du match aller en faveur du Togo, qui se débarrasse ainsi du Gabon et file tout droit vers le Maroc. Héroïque, les Togolaises réussissent l'exploit. Depuis un certain moment, on est animé par l'esprit de victoire. Et du coup, ça ne nous a pas effrayés. On savait que coûte que coûte, nous allons arracher cette victoire. Et donc, même l'égalisation, ça ne nous a même pas fait chaud. On a cru, on savait qu'on allait gagner. Le Togo est bel et bien présent dans le rang des 12 pays admis à la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Maroc 2022. C'est fait maintenant la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pourquoi il faut toujours continuer par le dire. Il faut parler faire piètre prestation. Évidemment, il ne faut pas aller faire piètre prestation pour vous reprendre tout simplement parce que c'est vrai, cette euphorie-là de cette qualification, elle est déjà passée. Oui. Il faut rappeler que nous avons quand même joué contre le Sao Tomé Principe, une équipe qui n'avait jamais joué dans cette compétition-là. Le Gabon qui aussi faisait sa première apparition dans les éliminatoires concernant ce football féminin-là. Donc il va falloir se remettre de cette euphorie-là et se remettre au travail. C'est ce que d'ailleurs Tometi Kai a déjà fait depuis qu'on est qualifié avec tout simplement le concours de Dr Bessie Kama qu'on vient d'écouter également. Sans oublier voilà, l'apport de ces joueuses-là qui aujourd'hui, on a véritablement vu Nathalie Badate tout à l'heure voilà, parler avec beaucoup de courage, avec beaucoup de confiance. Donc on pense et on espère bien qu'elles garderont cette confiance-là pour l'échéance à venir parce qu'il ne faut pas juste participer, il faut quand même laisser son empreinte dans cette compétition-là et véritablement le Togo pourra aussi se faire compter parmi les grandes nations de football féminin un jour.
Tout à fait, oui. Voilà, c'est le rêve de tout un peuple. Et on pense que les quelques jours qui restent avant que la compétition vont servir encore d'approfondir ces préparatifs pour que le Togo puisse faire quand même bonne prestation, ce qu'on attend vraiment de nos jeunes sœurs. On change maintenant. Les hommes, eux, c'est les moins de 20 ans qui vont aussi représenter le Togo à une prochaine compétition, on va dire zonale cette fois-ci, UFOA-B, donc au Niger, la compétition qualificative pour la CAN de la catégorie. Donc ça démarre ce 7 mai à Niamey. Ce matin, le sélectionneur des éperviers moins de 20 ans, King Ametokolo, a rendu publique la liste des joueurs retenus pour ce tournoi. Vincent. Oui, évidemment, ce matin, voilà, au siège de la Fédération togolaise de football, le coach des U20 a rendu publique la liste des convoqués pour cette compétition-là. On a eu à compter 20 joueurs parce que les gens vont se demander pourquoi 20, pourquoi pas 23, pourquoi pas 25. Parce que c'est la CAF qui l'a imposé voilà, à toutes les fédérations, donc que ce soit le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, tous repartiront avec une liste de 20 convoqués. Mais ce que je ne comprends pas dans cette liste, c'est qu'il y a eu que deux gardiens et je pense que ce n'est du tout pas favorable pour le Togo, parce que quand vous avez deux gardiens dans une telle compétition, vous vous mettez dos au mur tout simplement, parce que si un se blesse et que l'autre n'est pas en forme, là, c'est fini. On est foutu, c'est fini. Donc il va falloir... Mais est-ce que ça a été aussi une récession de la CAF à ce niveau? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que quand on prend la liste du Burkina, j'ai constaté trois gardiens. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit une récession de la CAF. Peut-être que le Togo a voulu voilà, bénéficier ou bien profiter d'un joueur de plus, on ne sait pas. Mais il va falloir corriger ceci parce que ce n'est du tout pas sécurisant. Ça réduit les chances, hein, parce que... Oui, ça réduit les chances parce que le gardien joue près de 50% du match. Il va falloir corriger cela et je pense qu'on pourra tout simplement aller faire une très bonne prestation à ce niveau aussi. Voilà, et on était quand même à cette conférence de presse ce matin. Atou Saba y était. On va donc écouter King Ametokolo après donc, cette conférence de presse. Les EPV U20 bouclent leur semaine de stage. Un but contre deux, score final du match amical face à l'AS Othier. Au début de la rencontre, les épreuves UV sont cueillies à froid à la 6e minute. À la roue, Abdoul Hakimou profite ainsi de la maladresse de la défense de la sélection nationale junior et ouvre le score pour l'AS Othier. Mais les Blancs reviennent très vite. Sur le flanc droit, Taïrou Alaza adresse une passe lumineuse à Aïvi Bernadette à la 41e minute. Celui-ci ramène ses coéquipiers à l'égalité. La pause est intervenue sur cet équilibre. Revenu des vestiaires, les éperviers U20 accélèrent, mais ils sont surpris une nouvelle fois par les Otérois à la 47e minute. Une œuvre de Mudewato Anselme. Dans la relance, les moins de 20 ans peinent cette fois à s'organiser. La OTR a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre central Nyama Akleso. La OTR, c'est une équipe de première division. Nous jouons contre nos jeunes de U20. Je crois que ce n'est pas le résultat à la fin qui compte, mais c'est plutôt aider le staff technique de l'équipe nationale à pouvoir juger les deux semaines de travail qu'ils ont fait. Ils ont une bonne position de balle, jusqu'à se projeter vers l'avant, ça cause un tout petit peu de problèmes. Mais je crois qu'ils vont, travailler pour que cette équipe-là puisse se représenter valablement le Togo. Malgré la défaite, le sélectionneur Ametokoto Mesa King repart avec des enseignements. On a prévu ce match pour évaluer tout un chacun parmi ces joueurs. Et les joueurs, il y a beaucoup qui jouent en deuxième division, en première division, qui ne sont pas titulaires dans leur club. Mais néanmoins, dans une semaine, ils ont essayé à faire ce match. Moi, je les félicite. Donc, l'avenir est prometteur. Je suis satisfait. Il reste seulement à régler quelques compartiments encore. On a englobé tout, effectivement, tout. Les passes, les conduites de balle, le travail physique, tout et tout.
Et sans vous mentir, le groupe était très serein lors des travaux. Ça n'a pas marché, c'est un peu trop, mais on vient juste de se retrouver. On a effectué un travail, on a joué face à une équipe. Pour moi, il faut toujours une défaite pour apprécier ce qui nous attend devant. Vaut mieux commencer par une victoire et être déçu à la fin. Je suis un joueur. Au début, c'était un rêve, mais maintenant, c'est devenu un métier. Donc, je me donne à fond. C'est une passion. C'est mon avenir qui est en jeu. C'est l'avenir de toute une nation. Donc, il faudrait donner tout le meilleur de moi-même pour pouvoir exceller dans ce domaine. Ce match amical prépare les épreuves U20 pour le tournoi UFOAB de leur catégorie à Niamey, au Niger, en mai prochain. Oui, voilà, à défaut donc d'écouter King Ametokolo à la fin de la conférence de presse, on l'a plutôt suivi au cours de ce match amical qu'ils avaient posé à l'Est, au TR. Ça, c'est la manche à l'Est, puisqu'il va y avoir aussi un retour cette semaine-ci. Ouais. Oui, Vicente, du travail se fait quand même hein, avec ces épervier moins de 20 ans et on espère que ça peut faire mouche. Évidemment, du travail devrait se faire. Oui, parce qu'on est en train de participer à une compétition où il y a déjà des équipes qui sont expérimentées en la matière. Oui, quand on prend aujourd'hui la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a un vivier exceptionnel de joueurs. Oui. Voilà, pépite. Donc, il va falloir tout simplement travailler. Le Bénin voisin ici à côté, c'est tout simplement de la pépinière très talentueuse. Donc, je pense que le Togo devrait travailler et ça se passe très bien avec ces matchs-là. On a quand même eu à gérer 4 matchs. Oui. 4 matchs, dont un bilan de 2 nuls, 2 défaites. Ces 2 défaites ont été concédées par le même club, la SOTR. On a fait un match nul contre la Sfosa et un autre match nul contre la Togoport. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de victoire. Il y a eu 2 buts marqués du côté de ces jeunes, 4 buts encaissés, 5 buts plutôt encaissés en 4 matchs. Donc, il va falloir encore beaucoup travailler sur la défense et surtout sur l'attaque qui ne marque pas autant. Il va falloir faire beaucoup de travail à ce niveau-là aussi. Je pense que Ametokolo est en train de nous écouter et il va voilà, parler à ses joueurs pour que beaucoup de choses soient réglées avant l'échéance qui va se tenir du 2 au 15 mai prochain. Voilà, et tenant à l'effectif, on pense bien qu'il a plus du temps. Vous sélectionnez les meilleurs du moment. Oui, mais à l'écouter, je pense que ce ne sont pas forcément les meilleurs qui ont été sélectionnés. Il a dit dans son speech de tout à l'heure qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas forcément dans leur club, il y a des joueurs qui n'ont pas du temps de jeu. C'était en mars, hein? Oui, c'était en mars, certes, mais en même temps, cela fait poser beaucoup de problèmes, beaucoup de questions en même temps. Mais je pense que depuis là, il y a eu du temps et donc, voilà, beaucoup de travail ont été faits et je pense que voilà, c'est ce que le Togolais espère. Il va falloir qu'on aille à cette compétition et faire peur à ces nations-là qui sont dites de nations de football. Et d'abord, pour le groupe, voilà, on a le Bénin, la Côte d'Ivoire et puis le Niger, pays organisateur. Oui, le Niger, pays organisateur. Le Niger qui est très bien expérimenté dans ces tournois de catégorie antérieure. Donc, il va falloir faire beaucoup attention, surtout que la compétition se tient à Niamey. Voilà, ils ne nous feront aucun cadeau. Derrière, il y a la Côte d'Ivoire et le Bénin, qui aussi sont des nations qui ont déjà eu à participer à ces compétitions-là. Donc le Togo doit avoir en tête que les finalistes sont directement qualifiés pour la CAN U20 qui vient. Et donc il va falloir jouer tout à fond, il va falloir débourser toutes les énergies, il va falloir tout simplement faire concourir toutes les actions pour qu'on fasse une très bonne prestation à cette compétition. Oui, et quand tu les prends un à un, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger. Bon, tu vois sa place quand même. Oui, je me dis que les chances s'égalent parce que ces pays-là sont tous francophones. C'est ce que je me dis. Donc, c'est les pays anglophones. Oui, très souvent, c'est les pays anglophones qui ont tout simplement un certain échelonnement des catégories qui font qu'ils dominent le football africain. Mais nous sommes entre francophones et donc je pense que le Togo aussi a sa place. Malgré tout, c'est vrai que dans ces catégories-là, on n'est pas aussi développé. Mais
quoi qu'il en soit, le Togo aujourd'hui, le nom fait peur à certaines nations parce qu'il y a quand même une petite histoire qui a été réalisée depuis 2006. Donc je pense que ces jeunes pourront peut-être s'appuyer sur cette histoire-là, pourquoi pas pour faire tout simplement de très bonnes choses en mai prochain à Niamey. Voilà, donc on attend. Donc la bande à Ametokoro produit du bon résultat au Niger. Je rappelle que la compétition, c'est bien ce 7 mai, le 7 au 20 mai prochain. On va enchaîner avec un carnet noir, une page noire. La triste nouvelle est tombée le 24 avril dernier. L'habitué des stades présent à chaque événement de football n'est plus. Feu Ayenou Kwasi Messan Jacques Boga a quitté le monde des vivants à l'âge de 53 ans. Tous ceux qui l'ont connu, ils sont invités à lui rendre un dernier hommage les 13 et 14 mai prochains. Maison Mortuaire, Maison Ayenou, rue en face de l'UTB, Tocoin Trésor, près de l'école primaire publique, Tocoin Bonvie. La réalisation sportive de la TVT présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et que Dieu l'accueille dans son royaume. Oui, Vincent. Un amoureux du football, je ne sais pas si tu le connais ou tu le connaissais avant qu'il décède aujourd'hui. On l'appelle simplement Boga. Boga, il est présent sur tous les stades, il n'est plus. Oui, je l'ai vu quelques fois sur les stades. Comme vous l'avez dit, c'est un habitué des stades. Mais triste nouvelle, il vient de nous quitter. D'abord, je partage tout simplement les sentiments que Dieu avait éprouvés actuellement à ses membres de famille, ses parents et ses enfants qu'il a laissés. Et c'est tout simplement difficile de perdre aussi un passionné de football à cet âge-là. Ce que je retiens de M. Ayenou Boga, c'est qu'il était vraiment un passionné. Oui. Il était un passionné, c'est-à-dire il était présent à tous les matchs, il était sur presque tous les stades, presque tous les événements qui avaient trait au sport, au football surtout. Donc voilà, que son âme repose en paix, c'est avec amertume que nous lui rendons ce petit hommage. Merci, merci beaucoup. Et puis, ceux qui sont encore très touchés, ce sont les arbitres de football. Hein. Il faut reconnaître qu'il connaît pratiquement tous ces hommes en noir et peut discerner, tout te raconter sur individuellement chacun des arbitres. Il te dit d'où il vient, qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, comment il gagne. Donc il a tellement marqué les hommes en noir du Togo, feu Boga, qui repose en paix, comme tu l'as dit. Évidemment qu'il repose en paix, mais je pense qu'en dehors de la passion, c'est quelqu'un qui était nanti d'un certain talent d'investigation, oui. Comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il connaissait aussi précisément presque tous les détails, oui. Les arbitres, leurs fonctions, tout ce qu'ils font, peut-être en dehors même du football. C'est ça. Donc c'était tout simplement intéressant ce qu'on vivait avec Boga. Malheureusement qu'il n'est plus, qu'il repose en paix, mais l'essentiel c'est qu'il a quand même eu à impressionner, à marquer son passage sur terre. Merci. Voilà, je rappelle encore les anciens sont prévus donc les 13 et 14 mai prochains. Voilà, tous ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont aimé, ils sont donc invités. Et la Maison Mortière, c'est en face de l'UTB, rue en face de l'UTB, Tocoin Trésor, près de l'EPP et Bonvier. Voilà. On en vient maintenant au championnat national de football de première division. L'étape, c'est bien sûr les playoffs. Aujourd'hui, quatrième journée, la journée en retard qui se joue. On va faire un retour sur la cinquième journée pour vivre la rencontre entre l'AS Togo Port et Gomido. C'est avec Sonia Aminipo. Deux buts partout. C'est le score qui a sanctionné le face-à-face AS Togo Port et Gomido de Kwalimé pour le compte de la cinquième journée des playoffs. Ce sont les portières qui vont ouvrir le score par l'entremise du numéro 4 Nouridine Abdoul à la 31e minute. 8 minutes plus tard,
les Showboys de Kwalimé répliquent à travers Asbat Adoyi qui profite des errances de la défense de l'AS Togoport pour subtiliser le cœur et frapper fort dans un arrêt fermé au grand désarroi du portier à Donsou Ayao. AS Togoport 1, Gomido 1. Le score ne changera pas jusqu'à la pause. À la reprise, Didier Amégan, le coach de Gomido, procède à des changements afin d'insuffler un nouveau dynamisme au jeu. Des changements qui vont porter leurs fruits puisque Chris Nawata, entré une minute plus tard en deuxième période, double la mise pour les Showboys. Dès cet instant, les visiteurs vont s'imposer dans le jeu et essayer de gérer l'avantage jusqu'à ce coup franc d'Abdoul Potopo à la 79e minute qui va permettre aux portuaires de rétablir la parité. AS Togoport 2, Gomido 2. Malgré la détermination et l'envie de gagner de chacune des deux équipes, le score restera inchangé au terme des 90 minutes, suscitant de la frustration chez les visiteurs. Vous êtes arrivé à mener par 2-1 et dans les dernières instants, vous prenez ce but. Voilà. C'est vraiment très frustrant, franchement, parce que on avait besoin de ce point pour se relancer dans ce championnat. C'est vrai qu'en début de match, on avait souffert un tout petit peu, mais par après, on a pris le jeu en compte et voilà, on a encaissé, on est revenu au score. Après, voilà, à la mi-temps, on est revenu, on marque le deuxième but. Je crois qu'on devait tenir. C'est frustrant, mais comment faire? C'est le résultat. Donc, c'est un match nul qui ne nous arrange pas. Quatre matchs et un petit point seulement enregistré au compteur. Malgré tout, les Dockers sont optimistes pour la suite des playoffs. Oui, on était venu pour gagner. On avait bien commencé le match, on menait 1-0. Malheureusement, on a encaissé 1-0 sur un corner. Ils ont égalisé après. Et vers la fin de la première mi-temps, ils ont pris le jeu en compte. Ça n'a pas été bon pour nous et on est parti à la mi-temps. On a commencé la deuxième mi-temps, on a encaissé très tôt 1 qu'on ne devait pas encaisser. On a su revenir au score 2-2. Ce n'est pas un bon score pour nous parce que 4 journées, avoir 1 alors qu'on était parti pour jouer le titre, au moins être deuxième. Mais la cinquième journée, comme dit, il faut qu'on gagne impérativement au moins pour avoir 4 Fini en beauté, la phase aller. Il y a de l'espoir. Avec l'effectif qu'on a, avec les consignes des coachs, il faut qu'on se surpasse. Soulignons que les 5 dernières rencontres en championnat livrées par les deux adversaires ont été légèrement à l'avantage des portuaires avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite, alors que les Showboys n'ont eu qu'une seule victoire, 2 défaites et 2 matchs nuls. Un match en retard pour le compte de la 4e journée des playoffs, AS Togoport joue Dito et Gomido croise ASK. Les 2 matchs sont prévus pour mercredi 4 mai prochain. Après-midi, c'est la 4e journée ou une journée en retard, c'est 18. Oui, les playoffs, Vincent, on en parle. C'est en dents de scie pour certaines de nos formations, alors que d'autres tiennent le coup et sont en tête de peloton. Oui, depuis un moment, on a quand même constaté cette hégémonie-là que les clubs du Nord, entre guillemets, ont sur le football en général au Togo aujourd'hui. Si ce n'est pas l'ASK, c'est l'ASCO de Kara. Si ce n'est pas l'ASCO de Kara, c'est l'AS Binan. Je pense que ce sont ces 3 clubs-là qui aujourd'hui sont en train de dominer le classement à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à ces clubs-là qui évoluent en dents de scie, qui aujourd'hui font le bon et peut-être demain vont réaliser le moins bon, à l'instar de Togoport, à l'instar de Gomido et autres. Je pense que aujourd'hui, il va falloir tout simplement peut-être oublier ce play-off-là et travailler dur pour la saison prochaine parce que c'est serré devant. Il y a encore de l'espoir. Oui, il y a encore de l'espoir, certes, mais les journées qui avec sont... Avec la journée d'aujourd'hui, il reste encore 5. Donc, ces 6 journées peuvent changer beaucoup de choses. Hein. Oui, avec les journées qui sont devant, je pense que ce sera très disputé. Très difficile, oui, c'est vrai. Très disputé, donc il va falloir beaucoup travailler, mais en même temps avoir en ligne de mire le championnat prochain parce que, je le dis, je ne joue pas au pessimiste pour ces clubs-là, mais je pense qu'aujourd'hui, l'ASK et l'ASCO de Kara, ce sont ces 2 clubs-là qui constituent un peu, comme on peut le dire, le Real Madrid et le Barcelone de ce championnat. Donc, ce sera très difficile pour les autres clubs.
voilà, de passer devant, de rêver d'une compétition continentale. Voilà, et le score donc le plus lourd de la cinquième journée reste celle que Asco a réalisé face à Dito de Lomé, ouais. 4 buts à 0. Oui, évidemment, je parlais de ce club-là. C'était quand même intéressant de voir ce que l'Asco est en train de faire. Et 4 buts à 0 face à Dito, c'est tout simplement phénoménal, c'est tout simplement intéressant, avec des joueurs qui ont quand même du vécu, tout simplement. Donc, je pense que c'est bien, c'est intéressant ce que Asco est en train de faire avec ACK dans ce championnat-là, même s'ils ont perdu l'autre fois la coupe de la finale de l'indépendance. Oh, mais c'est la défaite là qui les a amenés à aller atomiser Dito de la sorte. Oui, on peut le dire qu'ils ont tout simplement vengé leur frustration qu'ils ont accumulée face à la ACK. Donc 4 buts à 0, bon, je pense que c'est un score rare. Très rare dans ce championnat-là. Oui. Mais voilà, il le fallait pour tout simplement oublier cette déconvenue face à l'ASK l'autre fois. Voilà, et cet après-midi, disons, le coup d'envoi, c'est à 15h, bien sûr, à Palémé, Gomido joue à SK, Kege, Dito, Est, Gopor, puis à Kara, AS Ebina, Asco. Surprend Gomido, ASK. Oui. Ce sera un match très intéressant, Gomido ACK, d'autant plus que Gomido a été tenu en échec par la Togoport. L'autre fois, on l'a vu 2-0. Donc, Gomido va vouloir se racheter, surtout qu'ils seront à domicile, je pense, à Palimé. Voilà, ils vont accueillir l'Asco de Kara. L'Asco de Kara qui sait aussi très bien voyager. Ce n'est pas une équipe qui est seulement roi dans son fief, mais elle sait aussi voyager. Donc, je pense que ce sera un match très disputé. Mais pour moi, personnellement, je pense que l'Asco de Kara a un peu plus d'avantage. Oui. Oui, peut-être un 5% au-dessus. De plus. Dans ces cas, 5-45. Oui, on peut le dire ainsi. Mais ce sera quand même très disputé parce qu'on demeure en football. Et tout peut se passer. Bien sûr, mais par rapport au passé, on peut faire cette analyse facilement. Hein. Évidemment. Donc, si le contraire se produit, en tout cas, on va noter ça. Oui, Akege, c'est Dito qui joue l'AS Togoport. On va dire duel de la capitale. Oui, derby de la capitale, toujours. Oui. Dito AS Togoport, ça a été toujours un match intéressant. Et je pense que ce sera encore le cas voilà, cet après-midi. Et j'invite tous les sportifs, tous les amoureux du football à aller regarder d'un petit œil ce qui va se passer de ce côté-là. Parce que quand vous avez dans votre camp certains Abdoul Nouredine, des joueurs qui aujourd'hui ont du vécu, des joueurs très expérimentés, mais aussi avec une jeune génération qui est en train de venir, je pense que le football peut encore une fois rayonner sur nos stades. Et ce sera le cas cet après-midi avec cette confrontation entre Béret Rouge et Docker. Et voilà, et Docker. Donc, voilà, qui va commander l'autre? En attend de voir. Oui, et puis la troisième rencontre, Vicente, voilà, AS Bina Asco. AS Bina qui a été donc blessé par l'ASK lors de la cinquième journée. Oui, pour moi, depuis fort longtemps, l'AS Bina est en train de faire une surprise, tout simplement parce que c'est un club qui est venu, qui est arrivé de nulle part, personne ne l'attendait. Oui. Les clubs les plus traditionnels qu'on écoutait ou bien qu'on entendait, c'était Dito, AS Togoport, ACK, Asco. Mais je pense qu'avec ce que l'AS Bina est en train de faire cette saison, je pense que c'est une saison déjà réussie pour moi. Maintenant, le série sur le gâteau serait quand même d'aller chercher voilà, le top dans ces playoffs-là. Parce que, vous l'avez dit, déjà blessé par la CK l'autre fois. Oui. Donc, il va vouloir rebondir. Et voilà, mais ce ne sera pas quand même tâche facile. Parce que c'est aussi une équipe en face très forte et très organisée. Qu'on appelle Asco de Kara. Asco de Kara. Oui, et voilà donc pour les playoffs. On souhaite bon match à tous. Bonne chance à tous ces clubs-là. Et puis bon match aux hommes en noir. Évidemment. Chez les hommes en noir qui ont un congrès ce samedi pour élire un nouveau bureau pour leur
association nationale. Vivement que cela se fasse dans la transparence la plus absolue, parce que vous savez, ces corps-là, c'est difficile parfois de constater la transparence dans ces choses-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses. Mais je pense que c'est un congrès qui va se passer peut-être dans la paix, dans la tranquillité, dans la transparence, parce que c'est quand même des grands hommes qui vont se retrouver pour décider de qui va les diriger, de qui va les pousser à réaliser leurs objectifs. Et je pense que ce qu'on souhaite pour ce congrès, c'est qu'ils les emmènent encore dans une dimension beaucoup plus approfondie et qu'ils tout simplement soient conscients de la tâche difficile, de la difficile tâche qui les attend, surtout sur les terrains, parce que les violences parfois sur les terrains émanent, parfois on peut le dire, des sifflets, quelques erreurs d'arbitrage, donc il va falloir les corriger. Et donc celui qui va les aider à les corriger, c'est celui-là qu'ils vont choisir. Et donc celui-là qu'ils veulent choisir doit être le fruit d'une transparence sans pareil. Voilà, et on espère bien. C'est donc ce samedi à Attaquamé, le congrès de l'ANAFOOT, Association nationale des arbitres de football du Togo. Et de là, on va direction Europe. On va parler des demi-finales, retour de la Ligue des Champions. Et hier, on a assisté donc à la qualification de Liverpool, malgré sa défaite, un but à deux face à Villarreal, puisque pour le compte des deux matchs, c'est Liverpool qui l'emporte 3-2. Vincent, le match d'hier. Oui, non, Liverpool a gagné hier. Liverpool a gagné Villarreal 3-2 d'ailleurs. Oui, voilà, je pense que c'est la logique qui a été respectée, parce que déjà à l'aller, Liverpool avait gagné 2-0 à Anfield, donc ils ont réédité l'exploit, si on peut le dire, hier en Espagne, avec une victoire à la clé 3-2. C'est vrai que déjà dès la première mi-temps, c'est les sous-marins jeunes qui ont entamé. Oui, ils ont quand même surpris le monde hier avec les deux buts marqués en première période. Évidemment, je pense que c'était quand même le meilleur scénario qu'on puisse voir hier, avec ces deux buts marqués très tôt. On a quand même vu une équipe de Villarreal qui s'est réveillée bien avec tout simplement le premier but qui a été marqué déjà à la troisième minute. On a vu un centre que Étienne Capou a raté tout simplement, et puis le ballon est allé vers Boulaye Dia, le jeune attaquant sénégalais, qui a poussé tout simplement le ballon dans les filets, 1-0. Et puis 7 minutes après, on a vu que Villarreal a tout égalisé sur une tête de Francis Coquelin, le français, et donc 2-2. Liverpool était paniqué, il y avait tout simplement du doute dans le camp des Reds. Maintenant, c'est en deuxième mi-temps que Liverpool s'est ressaisi avec la réduction de Fabinho. Après, on a quand même vu l'égalisation de Luis Diaz, et enfin c'est Mané qui intervient pour tout simplement crucifier ces sous-marins jeunes qui ont fait quand même rêver le monde du sport hier. Voilà, ils ont donc leur ticket en main et seront donc face soit le Real, soit Man City. Ouais. C'est dit que la rencontre de ce soir reste décisive entre ces deux entités aussi. On a donc assisté au match aller la dernière fois, et 4-3 sur le terrain donc de Man City. Ce soir, à quoi peut-on s'attendre, connaissant bien le Real et aussi Man City qui s'est voyagé? Oui, il y aura des étincelles en l'air. Hein. C'est quand même sous le ciel madrilène que ceci va se passer. Donc je pense que ce sera peut-être le remake de la manche aller qu'on a vue. Il faut rappeler que c'est l'une des demi-finales les plus équilibrées de cette compétition-là. On l'a vu sur l'aller. Le Real a perdu, certes, à Man City 3-4. Mais on a quand même vu un match étincelant, un match très intéressant, un match à la taille tout simplement de la compétition qu'est la Ligue des Champions. Et je pense que ce soir, ça va se répéter. Sauf que c'est celui-là, cette équipe-là qui va le plus marquer, qui va se qualifier ce soir
Et c'est difficile d'entrevoir ou de présager un victorieux ce soir parce que, connaissant le Real peut aussi créer la surprise parce qu'il est en retard d'un but, battu à l'aller 4-3, d'autant plus que le Real a aujourd'hui Karim Benzema, que je considère comme le meilleur joueur tout simplement de cette saison, de l'année. Le Real a également Vinicius, le jeune prodige qui est en train de faire de très belles choses. Donc, mais en face, je pense qu'avec Kevin De Bruyne, Phil Foden et toute cette armada-là que City a, ce sera très difficile pour le Real. Mais rien n'est impossible au Santiago Bernabéu. Je pense qu'en attendant la fin du match pour juger, voilà. Qui oui, voilà. Va rejoindre le match. Mais d'abord, il faut dire que le Real, quand même, a la pression. Hein? Oui, le Real a la pression, certes. Mais le Real ne va rien perdre si aujourd'hui elle rentre. Parce qu'au début, il faut être quand même être lucide. Le Real ne s'attendait pas quand même à arriver en demi-finale. À ce niveau de la compétition. Évidemment, parce que le Real a un effectif très limité. Oui. Un effectif avec des blessures. Mmh. Un effectif avec des déceptions comme Hazard. Un effectif avec des blessés à plusieurs reprises comme Gareth Bale. Un effectif avec des joueurs qui n'ont pas été au niveau avec un certain Mariano Diaz, un certain Jovic. Donc, je pense que le Real ne perdra rien si elle rentre ce soir. Sauf que, en tant que champion, 13 fois, le Real aimerait créer l'exploit ce soir pour se retrouver en finale. Ouais, voilà. Et pourquoi pas nous faire revivre tout simplement le remake de la finale de 2018, Liverpool-Real Madrid. Voilà. D'ailleurs, ce que Salah aimerait bien voir, parce que Mohamed Salah avait manqué cette finale-là, blessure. Donc, il aimerait. Sauf qu'il y a plus un certain Cristiano Ronaldo. Oui, il n'y a plus Cristiano Ronaldo, il n'y a plus Ramos, il n'y a plus Varane, l'effectif a un peu plus changé. Mais ce soir, ce sera quand même de l'étincelle à l'air, de tout simplement de la brillance en l'air, parce que ces matchs de Ligue des Champions, il ne faut pas les rater. Je pense que c'est quand même l'un des meilleurs matchs de cette saison. Et City qui était donc finaliste la saison dernière. Évidemment, City sera peut-être l'une des quatre équipes à réaliser cet exploit, se qualifier pour deux finales enchaînées. Après le Real Madrid qui l'a fait, après Liverpool qui l'a fait, après l'Ajax aussi entre 1973 et 1995. Donc je pense que si City le fait aussi ce soir, il rejoindra tout simplement le cercle fermé de ces équipes-là qui ont pu réaliser cet exploit. Et je pense que City a les armes, a les arguments pour le réaliser parce qu'ils ont quand même le meilleur entraîneur au monde qui est aujourd'hui Pep Guardiola, qui pourra tout simplement transcender ces joueurs-là. Et pourquoi pas ramener finalement cette Ligue des Champions, tant entendu, chez les amis. Oui, voilà. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire pour ce soir. Moi, ce que tu voulais donc ajouter un mot par rapport à cette demi-finale qu'on a suivie hier, qui est rentrée dans l'histoire, ce que Villarreal a commencé à faire depuis longtemps et qui surprend le monde. Oui, il faut dire que Villarreal n'a pas forcément l'habitué de la Ligue des Champions jusqu'à ce niveau de la Ligue des Champions. C'est vrai qu'entre-temps, en 2005-2006, on a connu cette équipe de Villarreal d'un certain Rico Almé, l'Argentin, un certain Marco Senna aussi, qui ont quand même défié Arsenal en demi-finale. Mais depuis lors, on n'a plus vu Villarreal en Ligue des Champions. C'est plutôt en Ligue Europa qu'on l'a vu. Et surtout ce coach-là, Unai Emery, qui est quand même un expert de Coupe d'Europe, surtout de Ligue Europa, qui a fait 6 demi-finales, 4 finales de Ligue Europa, qui est arrivé avec une envie meilleure. Et je pense que c'est tout simplement phénoménal ce que Villarreal a fait. Ils n'ont rien perdu. Je pense qu'ils ont quand même réalisé l'exploit de défier Liverpool, qui est aujourd'hui l'une des meilleures équipes. Après avoir sorti le Bayern. Oui, après avoir sorti non seulement le Bayern, mais aussi la Juventus de Paulo Dybala. Voilà. Bien, Vincent, merci donc d'être passé ce plateau. C'est moi, ça a été un plaisir. On va donc s'arrêter ici. Le temps pour nous de passer et la main au scolaire. Voilà, passer un très bel après-midi en compagnie des programmes de la TVT. Gardez le sourire. N'oubliez pas, il est thérapeutique. Au revoir.